C'est la, le prophète Joël Crasso. Nous sommes aujourd'hui lundi, cette date lundi 2 février. Il faut dire que j'ai repris les activités le samedi, c'est ça le samedi, le samedi matin. Le samedi 31, aujourd'hui nous sommes au 2 février, tout ça, donc que la grâce de Dieu soit sur vous. Mes chers amis internautes, vous qui suivez cette chaîne de la brigade anti-sorcier, nous bénissons le Seigneur parce qu'au travers de cette chaîne, beaucoup sont ceux qui laisseront expérimenter la gloire de Dieu et tout ça. Cette année, nous sommes en train de tout faire pour vous aider, à vous servir avec des vidéos, des enseignements, l'appui. En même temps, je demande à ceux qui peuvent nous aider à nous envoyer des appareils tels que les caméras et tout ça, pour que nous ayons un direct. Nous avons un direct. C'est-à-dire que tous nos rencontres, nos réunions seront maintenant directes. C'est ce que nous sommes en train de faire comme... Non, éteins. Voilà, donc, merci un peu. Madame, ça va maintenant? Lève-toi. Vous avez combien d'enfants? Il n'y a pas deux. La une qui est morte. C'est la première qui est morte. C'est la jeune. Vous êtes de quel village? Nous sommes des amis. Ça vous a du goût de dire. Vous presque. Et l'enfant, il est où? Il a fait son jeu. Oui. Je vais prier pour la fête. Ça va, vous avez ça va? Oui. On va rentrer ça comme j'ai dit là. Vous allez venir en France? Oui, c'est en France. Le mois de mars? Oui, ça doit être maintenant, c'est le mois de mars. On a changé l'équipe de l'année. Voilà, donc je pense que le mois de mars. Vous avez mes écrans ouverts, vous allez venir chez moi comme ça? Ça c'est clair, d'accord. On se dira le soir. On se voit tout à l'heure. Ça va? Ça y a quoi? Qu'est-ce que tu as? C'est tombé encore? Mm-hmm. Depuis la fin, le jeune n'a pas encore fait la crise. L'épilepsie n'a pas encore fait. Je l'ai dit une fois. Mais depuis qu'il est dans le jeune, il n'a pas encore tombé. Tu n'as pas encore fait ta crise? Quand il veut tomber, il crie, c'est ça? Depuis qu'il est ici, il n'a pas encore fait. Et puis, il nous appelle et il tombe. Il y a quel âge de jeune là? Deuxième jour. Ah, ok, d'accord. Ça va? Ça va? Je vais recevoir. Quel est le petit là? Grand détail. Il est là. Ouais, il est où? Voilà, il faut les réveiller. Il a dit. C'est la vie. Il a demandé à ses parents de venir le chercher. Et la femme de l'autre. C'est aussi. Elle va venir. Elle est calée. Tout le monde est jeté. Trois terrains sont jetés. Tu vois, tu veux pas parler là comme t'es venu. Oh, petit, merci. Viens, toi, tu prépares nous matin. Tu prépares le matin. Matin, tu prépares. Tu prépares matin. Ah, je te demande, tu ne parles pas. Non. C'est oui ou non? Tu prépares? Non. Pourquoi le matin, tu prépares le matin? Fatigué de prier. De prier.
Hein? C'est pas bien de prier. Ça se dit pas, hein? C'est vrai. Vous devez veiller ici. Vous avez les gens qui dorment là. Comment vous devez les réveiller pour la prière. So, aujourd'hui, il n'arrêtera pas. Aujourd'hui, il n'est pas venu. Mais c'est pas bon. Pourquoi c'est aujourd'hui, moi, j'ai constaté ça. Tu veux qu'il ne me fasse pas. Qui ne fait pas ici? Qui déjeune? Qui a des problèmes? Bon groupe. Oui. Ils sont Caleb et son Jésus. Donc, Jésus, Caleb va manger. On dit quoi à Zaruko là-bas? Mais oui. Non, mais justement. C'est maintenant que vous connaissez mon importance. C'est vrai, bonheur, la réaction, on l'a perdu. Quand on était là-bas, tout marchait, non? Tout marchait, le commerce marchait. Maintenant, ils voient ici que ça est là. Hein? Non, mais on ne doit pas. Un homme comme moi, on ne doit pas me prendre comme ça. Qui votre cadre, il y a qui s'est dépêché pour dire merci. Chaque année, vous êtes quand même venu me faire bonne année. Non, vous en êtes ensemble. Ah. Je ne vais plus là-bas trop dire les gars, ça marche. Ça marche pas. Même là, c'est un commerce à l'eau là, ça va pas. C'est pas, ça va pas trop bien. Il dit que au moins tu venais. Là, ils avaient à l'aise. Ah. Il faut ça. Tu es là. Papa, je ne peux pas faire du bateau. Ok. Ça va. Oui, mais c'est les victimes. Elle a transformé les gens, c'est comme ça. Voilà, vous êtes ici au centre de prière, au centre de culte de délivrance, au centre de culte de délivrance. Le professeur que je suis. La situation géographique, nous sommes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, précisément dans la ville appelée Divo. Voilà, Divo qui est à 1h30 de véhicule. 1h30 d'Abidjan, ici, ça fait 1h30 précisément. 1h30 de vécu. Nous avons démarré nos activités. Voilà, c'est le mois de février. Nous sommes en train de nous atteler pour répondre à différents rendez-vous. Donc cette semaine, nous serons, par la grâce de Dieu, à Zaruko. Nous allons reprendre nos activités au niveau de Zaruko. Tout à l'heure, j'ai une réunion avec tout le personnel. Voilà, donc au niveau de l'Europe, j'avais dit que c'était stoppé, cette histoire de deal, parce qu'il fallait réorganiser les choses. Ce sont même aux niveau des aéroports, tout est stoppé, ça va redémarrer au niveau de cette semaine. Et après cette semaine, nous aurons l'occasion de parler des activités de l'eau de l'Europe. C'est-à-dire que les îles qui font du bien, bien sûr, parce que c'est ce qui est en train d'agir sur la vie de cette île. Les sorcières, vous voyez, elle a utilisé de l'huile. J'ai de l'huile et tout ça, s'entend d'agir ciel. Voilà. Donc elle ne voulait plus parler et s'entend de l'agir. C'est pour dire que l'huile-là, l'huile d'onction est très importante. Voilà, c'est très important de l'utiliser parce que ça, non seulement ça apporte de la guérison et c'est un élément de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Chaque homme de Dieu, n'est-ce pas, sa grâce. Chaque homme de Dieu a une action que Dieu lui demande, une vision, quelque chose que Dieu demande qui accompagne son ministère. Voilà, nous, c'est ce qui accompagne notre ministère. Nous vous exhortons par la grâce de Dieu. Pour ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vous serez très bien accueillis. Il suffit seulement d'appeler au cabinet, le plus 225, plus 225, 47, 07, 23, 28. Comme ça, si peu possible, que la voiture parte vous chercher au niveau de l'aéroport. Vous logez au niveau d'Abidjan et vous avez 1h30 de véhicule jusqu'à Divo. Voilà, donc voici un peu. En ce qui concerne l'Europe, j'ai dit, vous serez en Europe, c'est la chose la plus sûre d'ailleurs, très sûre,
cette année, je serai à Paris par la grâce de Dieu. L'équipe s'est déjà mise en place pour organiser des réunions et tout ça. Voilà, on ne me prend pas au sérieux. En fait, quand je ne le prends pas au sérieux, leur manière de faire, je ne sens pas un peu une organisation qui va dans le sens d'aider mon image, toute l'image de Dieu, mon image. Donc, je ne vais pas composer avec leur manière de faire les choses. Voilà, parce que je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas du jeu, je ne suis pas de l'amusement pour qu'on joue. Je sens un peu l'enfantillage et une manière de s'amuser avec mon image. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais je ne vais pas qu'on joue parce que c'est mon image. Si des mecs, donc c'est pour ça que je veillais un peu là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est tellement simple. On a pris la résolution de vous recevoir tous les mercredis et ça serait respecté. Mais tous les mercredis, à partir de 9h, je serai posté sur le Skype jusqu'à 17h. Ça s'arrête à 17h. Celui qui appelle, je le prends. Celui qui appelle, je le prends. D'abord, pour que ça soit bien organisé, il fallait qu'on parle en appel au niveau du secrétariat, pour que ça soit très bien organisé. À partir de tous les mercredis, de 9h à 17h, nous avons des rendez-vous sur le Skype. Shalom.